On est à l'intérieur. Kanakuya. Évidemment. Ça me changera les idées. Allez, au plaisir.
Waouh! Ça, c'est incroyable! Qu'est-ce que ça dit? De l'obscurité, protéger la lumière. On peut pas dire qu'ils aient rempli leur mission. Là, la lumière. Ils l'ont recouverte de cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Regarde, un autre elfe blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Pourquoi il le tue? Il a rien fait. Arrête de supposer. Tu assistes à la fin d'une guerre, Atreus. Tu ignores comment ils en sont arrivés là. Mais il s'est même pas défendu. C'était son choix. Nous faisons les nôtres. Yeah.
Je suis pas prêt. Et maintenant ? La lumière est tout près. Cherche un passage. Ça a marché ! Regarde, d'autres points de lumière ! Suis-moi. Je m'en suis bien sorti. Tu t'amélioreras avec la pratique. Je m'en suis bien sorti. Tu dois être plus efficace, Atreus. Retour à l'arrière.
Établis tous les passages. C'est trop compliqué. On trouvera peut-être la lumière ailleurs. Non, laisse-moi essayer. Je pense pas qu'on devrait être là. Silence. T'as entendu ? Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Dis, quand on aura atteint la lumière,
Comment on la fera rentrer dans le Bifrost, à ton avis? La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment? Juste avant d'être arrachée à ce royaume. Comment on lui peut rater ça? Tu étais plus préoccupé par son sort que par notre objectif. Silence. Je le tiens. Ton couteau, vite! C'est pas passé loin. Ne t'éloigne pas de moi, Atreus. Pas besoin de me le répéter. Oh, c'est tellement gluant. Inanuna ! En voilà un autre ! Reste là ! Restez prudent, compris? Compris. Quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. D'accord. Saute, Atreus! D'accord! Attention! Ils arrivent! Suis-moi et couvre nos arrières! Oui, père! John! Continue de tirer! Je vais dégager la voie! D'accord! Réduis l'intervalle entre tes volets! Tu m'avais dit la précision avant la vitesse! Il y a des cibles partout! Tu ne peux pas les rater! L'étroitesse du chemin devrait les retenir! Reste concentré! On y est prêt. C'est la dernière, Tu es blessé? Non, ça va. Waouh, c'est magnifique. La lumière, elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Écoute, elle chante. J'entends. Je l'entends! Je t'avais dit que c'était elle! Tu crois qu'elle est ici? Ah! Oh! Ça fait vraiment mal! Comme si maman était en feu!
restes ici. Ne l'utilise qu'en dernier recours. Tu me donnes ta hache ? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas un cadeau. Quand même. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. Il part sans arrêt. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Je sais rien de lui, et il sait rien de moi. Je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine. Je sais que j'ai raison. Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends ? Lui, pas toi. Mais je le pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon, je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là quelque part. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je t'ai sauvé ! T'étais coincé là-dedans ! J'ai attendu encore et encore, mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là ! Atreus ! Je ne suis parti que quelques... minutes. Non ! T'es parti vraiment ! Très longtemps ! Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné ! Encore une fois ! Pourquoi tu t'en fiches ? C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Oui. Regarde, on peut sortir grâce à ça. Mais il n'y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé. Et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien. Atreus.
Tiens-le. Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. Ça a marché. On peut rebrousser chemin maintenant. Viens. Cristal lumineux, là juste devant. Il pourrait peut-être nous aider à quitter cet endroit sordide. Je n'arrive pas à passer au travers de cette chose.
peux activer le cristal si tu me trouves un angle de tir. Remontons à la surface. On est encore bloqué. Ure uta! Busque padanina!
Vanessa. Atreus, par ici. Tiens, tiens. La porte bleue qui n'est pas une porte. Et une vasque de sable. Et comment je suis censée l'atteindre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Graine. Mémorise la forme. Oui, c'est bon. Tu comptes emporter ça partout ? Pourquoi pas ?
lieu de piller un temple sacré, on pourrait peut-être trouver un moyen de sortir. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Oui. Vas-y. Du plus grand homme au plus grand arbre, tout commence comme moi. Oui, ces graines, ces inoues sont stupides. C'est bien une porte, finalement. Parfait. Revoilà l'elfe avec les cornes. Qu'est-ce qu'il nous veut cette fois? Je déteste ce type. Il va revenir.
On doit vraiment redescendre là-dedans. Tu vois un autre chemin ? Non. Alors ? Tu tiennes la lumière en hauteur pour que je vois où je tire. Fie-toi à ton ouïe, adapte-toi. C'est ce que je fais. Où est-ce qu'on va maintenant ? Comment on va faire pour traverser sans cristal ? On va en trouver un.
aller maintenant. Il n'y a aucun moyen de remonter ici, tu sais. Je sais. Ça fait un moment qu'on est ici.
Qu'est-ce que t'attends? On perd notre temps par ici. Allons-y. Comme tu veux.
fait un moment qu'on est ici. Tu vas emmener ce cristal partout avec toi comme l'autre? S'il le faut. Où est-ce qu'on va maintenant ?
Atreus, tire. Je sais ce que j'ai à faire. Enfin, on peut utiliser la vasque grâce à laquelle on est descendu la première fois. Je supporte plus cet endroit. Je vois. Malin. Très malin. Thank you.
Yeah!
Laisse-moi deviner. Tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'en mêler. Ça suffit. On peut y aller maintenant. Tu te souviens de la réponse? Oui, oui. Atreus, Lisa, Atreus, qu'est-ce que ça veut dire? Les seules fois où tu me parles, c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore si là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. Atreus. Oublie ça. Très bien. Alors ? Elle était dans la lumière ? Qui ? Tu sais bien. Non, elle n'était pas là. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis. Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré.
Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon, et laisse-moi faire le mien. Je suis désolé. J'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants. Si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir. Vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir? Ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume? Alors, qu'est-ce que tu disais sur la guerre d'Homer? Sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seul un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri Brock de lui faire la hache? Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc, elle aurait aidé les elfes? Voilà, vous avez été occupé à cette fois. On ne peut rien te cacher. Mon sens de l'observation est légendaire. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage, tous les deux. Père, j'ai un aveu à te faire. Toutes ces voix dans ma tête, c'est pas la première fois que je les entends. Quand on a rencontré Brock, sa bête m'a prévenu que quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé? Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait, et je savais ce qui lui faisait peur. Si ça recommence, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Je te le promets. Nous avons la lumière. Retournons à Midgard.
visité un autre royaume. Et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame, hein? Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou? Bien au contraire. Ouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Mais tu sais ce qui compte vraiment? La régularité. Et moi, c'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu as fait? Une retouche. Bien, quand vous aurez fini de bailler aux corneilles, j'aurai un service à vous demander. Ça, ça me parle. Qualité. Te connaissant, ça va faire une journée. Je suis sûr que ton sourire de vainqueur te protège, mais pourquoi prendre le risque? Quoi d'autre? Alors, on reste dans le coin pour... Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier. C'est un nain, lui aussi.
Il porte un bel anneau vert, et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah, d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras.